Et d'un accord fermé. Le président américain redit ses inquiétudes à propos de l'accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne, des soldats qui sont sur le territoire russe et donc ne menacent personne, lui répond son homologue. Celui-ci n'a pas obtenu la garantie demandée que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN, comme prévu. Joe Biden a expliqué qu'en cas d'invasion russe, il y aura des conséquences fortes et notamment sur le plan économique. Son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui pense que Vladimir Poutine n'a pas encore pris de décision, se demande notamment si la Russie est prête à risquer ses livraisons de gaz prévues vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream 2. Un autre aspect de la position américaine, après le retrait unilatéral et chaotique d'Afghanistan, l'administration prend un choix particulier à afficher sa volonté de se coordonner avec ses alliés européens. Ainsi, immédiatement après la discussion avec Vladimir Poutine, Joe Biden a contacté ses homologues français, britanniques, allemands et italiens. Tous se disent attachés à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ukrainienne. Et ils encouragent la Russie à choisir la voie diplomatique. Bienvenue à Washington, RFI. Le football à présent, le Paris Saint-Germain s'est rassuré hier soir en écrasant Bruges 4-1 lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et victoire acquise notamment grâce à un Kylian Mbappé en grande forme, l'attaquant français qui bat encore des records de précocité, Martin Gazza. Mbappé partout, se défense nulle part. Le champion du monde rapide, trop rapide pour les Brugeois. Super tonique. Même le retard dès la première minute avec l'aide du poteau avant de remettre ça. Plus tard, une superbe volée. Aussi sur ce grand pont, cette accélération pour servir Messi sur le troisième but. Et qui effectue le ballon d'or en marquant un pénal contre Exorcer qui a doublé, passant à 5 réalisations dans la compétition. Et bien le français, un endroit qui a été désigné homme du match. Et pour cause, supersonique, Kylian Mbappé est aussi dans les statistiques. Plus jeune joueur de l'histoire de la compétition pour inscrire 30 buts en Ligue des Champions. Ça a ajouté à cela sa 20e passe décisive. Ce qui montre que l'attaquant s'est montré décisif, soit un but, soit une passe, à 51 reprises en 51 rencontres sur la scène européenne. Un record qu'il continue à un certain Lionel.